programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi tous les commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 27 janvier 2021, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le prix 1 de mai, première course de la Réunion 1, où 14 trotteurs âgés de 8 à 11 ans en découdront aux alentours de 13h55. Un joli grand prix pour trotteurs n'ayant pas plus de 420 000 euros sur leur compte en banque nous sera proposé ici. Sur le tracé des 2925 mètres, tous partiront du même échelon de départ sur une piste de Cagnes où il fait généralement bon occuper une bonne place. Rappelons que l'année passée, l'excellente Elsa de Belfond s'était imposée d'une classe. Voici à présent le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 13, Colonel Bond. C'est un cheval de qualité ayant une véritable aptitude à la piste de Cagnes-sur-Mer. Déféré des 4 pieds pour cet objectif avoué, il doit le faire. En deuxième choix, le numéro 10, Django du Bocage. Pas toujours simple à utiliser pour un driver, tout sera une question de bon vouloir avec lui. Si Franck Nivard, son partenaire, lui fait prendre la tête, il peut réaliser un numéro ici. En troisième choix, retrouvons le numéro 11, Black d'Argenque. Ses qualités ne font aucun doute et s'il dispose d'un bon parcours à proximité des animateurs, il peut espérer confirmer son dernier succès. En quatrième position viendra le numéro 4, Dayan Winner. Plaisant lors de ses deux dernières sorties victorieuses, il s'élancera avec la grande confiance d'un Hugues Montulé qui le connaît sur le bout des doigts. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 6, Big Boss. Il n'a aucune marge de manœuvre pour la victoire finale dans ce lot, mais en revanche, avec David Beckert aux commandes, il peut logiquement viser une place d'honneur. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 14, Black Jack Fromm. Compliqué mais doué, tout sera une question de sagesse avec lui. S'il ne commet pas de faute, il peut espérer mettre tout le monde au pas. En avant-dernier choix, le numéro 9, Christo. Cet élève de Michel Lenoir a une véritable aptitude à la piste de Cagnes-sur-Mer, et comme il est cette fois déféré des 4 pieds, il peut logiquement espérer faire sensation. Pour clôturer notre pronostic, retenons le numéro 3, Duke of Carless. Revenant gentiment à son meilleur niveau, déféré des antérieurs et s'élançant avec la confiance de Nicolas Mortagne, son entraîneur driver, il n'est pas hors d'affaire pour le Quintet Plus. En cas de non-partant, le numéro 1, Abzac de Fontaine, préparé pour l'occasion, entrerait alors dans notre prono en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Pour exemple, hier, notre prono VIP indiquait le couplet gagnant de 44,70 €. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations sur l'abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronos, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP turf-fr.com.